Yeah. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Ottawa, le premier ministre a présidé aujourd'hui une importante réunion de son cabinet. Voici à ce sujet le reportage de Lysiane Gagnon, notre correspondante sur la colline parlementaire. Mon cher Jean, le premier ministre a d'abord annoncé ce matin la nomination de Maître Guy Bertrand au poste de juge en chef de la Cour suprême du Canada. Par la suite, il a bien voulu nous livrer ses commentaires à sa sortie de la réunion avec les peuples autochtones. Monsieur le Premier ministre, par le passé, vous avez reconnu que les Mohawks formaient un peuple, que les Cris, les Micmacs, les Hurons formaient des peuples. Pourquoi refusez-vous toujours au peuple québécois le statut de peuple? Tabarslack, c'est pas pareil partout. Les Québécois, c'est pas un peuple. Je veux dire, on est bien prêts à leur reconnaître leur caractère unique, là. Ceinture fléchée, les cannes de bine, le sirop d'arabe. Mais, que voulez-vous, faut pas charrier, là. Les Québécois, ils n'ont pas le droit de s'en aller sur le séparatisme sans respecter la Constitution. On m'avise que nous recevons à l'instant un bulletin spécial d'information. Oui, c'est cet après-midi qu'avait lieu le service funèbre de M. Robert Gratton. On sait que M. Gratton, mieux connu sous le nom d'Elvis Gratton, s'était effondré samedi victime d'un arrêt cardiaque lors d'un spectacle bénéfice de l'Association libérale du comté de Brossard. Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, le célèbre imitateur du King serait soudain revenu à la vie au moment où on se préparait à le mettre en terre. Par contre, sa femme, Linda Gratton, serait disparue sans laisser de traces. Des témoins racontent avoir vu un objet volant non identifié ainsi qu'un éclair de forte intensité frapper Mme Gratton. Et des amis du couple qui assistaient à la cérémonie affirment même que Mme Gratton aurait été enlevée par des extraterrestres. Aux dernières nouvelles, M. Gratton aurait été transporté à l'hôpital général de Montréal. Linda. Ma doudoune, enlevée par les extraterrestres. S'il vous plaît, M. Gratton, fermez les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Fermez. Vous êtes sûr que votre appareil fonctionne normalement? Absolument, j'ai tout vérifié. C'est la première fois que je check chacune des électrodes. Ouvrez les yeux. Fermez. Il n'y a rien. Absolument rien. Je comprends plus. Moi non plus. C'est la première fois que je vois ça. Je suis absolument formel sur ce point. Les électroencéphalogrammes de M. Gratton n'indiquent aucune, je dis bien aucune, activité cérébrale. Et comment expliquez-vous ça? Pour l'instant, on ne peut rien expliquer, ni le vieillissement précoce du patient, ni l'absence d'activité cérébrale. Faut bien le dire, M. Gratton est un mystère pour la science. One, two, testing. Testing, testing. Yeah, yeah. On l'a. Oui. Docteur, docteur, venez voir vite. Je pense qu'on a trouvé. C'est fantastique. Incroyable. Hey, il y en a-t-il là-dedans ou il y en a pas? Le triangle bleu ici, le cercle rouge là et le carré vert ici. Vous avez compris? Ça prend pas la tête à Papineau. Bon. Vous avez 60 secondes.
Dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y. Quarante-cinq secondes. Dans 30 secondes. Plus que 15 secondes. C'est terminé. Voyons voir. C'est le fun, ce petit jeu-là. N'avez-vous d'autres? Bon, M. Gratton, je vais vous montrer une série de tâches et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Je reviens là. On commence. À quoi ça vous fait penser? Une tâche. Oh, ça, là, ça, c'est une grosse tâche. Oh, une petite tâche. Non, 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 ça va pas du tout, là. Vous devez me dire à quoi chacune de ces tâches-là vous fait penser, je ne sais pas, moi, une fleur, un arbre, un nuage. Ah, là, là, il fallait le dire, hein? C'est simple. Une fleur, un arbre, puis un nuage. Non, 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 ça va pas du tout, vous répétez exactement ce que je vous ai dit. Allez, écoutez, là, vous me donnez une mauvaise réponse, puis après ça, vous êtes choqué. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je veux savoir ce que vous, vous voyez là-dedans. Je veux savoir ce qu'il y a dans votre cerveau. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans mon cerveau, vous n'êtes pas sorti du trou, parce qu'il y en a là-dedans. Manette. À quoi ça vous fait penser? Elvis Presley. Ah bon? Hollywood. Disneyland. Rock and roll. Baseball. Mickey Mouse. Bill Clinton. La map des États-Unis. Ils l'ont tué l'affaire, les Américains, hein? Et des corso de agua. Marcello. Pas mal, ça. Ça, c'est une grosse. Je comprends absolument rien. Quand tu parles, c'est comme des toilettes bouchées. Capote pas, là. Comment vous pouvez s'y attendre ce matin, la plupart... Ouais, mais au monde dans la radio, je pense qu'il parle de moi. Dans la presse internationale, l'affaire Gratton est traitée à la une par la plupart des grands journaux américains et européens. Darimat publie une dizaine de pages. Donne un autre drink. Le Wall Street Journal, Le Monde et le Times du Monde lui consacrent chacun un long éditorial. Aux États-Unis, ce sont Times, Playboy, US World and Report, Rolling Stone, Road and Track et Sports Illustrated qui consacrent leur première page à l'activité. Alors c'est tout pour l'instant. Maintenant, nous allons écouter la musique du film de Jacques Dubourg, Touchez pas à mes rocheuses. Rajoute donc du ginger ale. Ça sent encore de la glace, là? Y'a pas souvent. Tiens, là, là, il est parfait, ton drink. Bon, dis donc, on va à côté, là, s'il y avait une shot qui va avec. Hé! Hey. Tu veux une gorgée? C'est qui dit? Essaye ça, le pain! Tu vas voir, ça remonte le moral! Ah, c'est bien. Encore bloqué.
Ben oui, t'énerve pas, là, ça s'en vient. Répare ça, là, puis on va t'en donner une shot. Ce stuff-là, là, ça ramène les morts, hein? Un miracle. Mon Dieu, un miracle. C'est un miracle. C'est toi, Yann? Ça va? Mon Dieu. Mon Dieu. Un miracle. Oh, des miracles, on va en vendre en tabarnak, hein? On va voir la glace. Ah, par là. Ah. Oui. Hey, hey, Big. Hey, non, non. Mais oh! Où c'est que t'es, là, mais oh! Hey! 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 Mon cœur, toi! Hey, c'est à moi, hey. Ça! Hey, toi, la glace! On va en avoir un château de glace. Carnaval, monde du grand carnaval. À Québec, c'est un festival. Vous avez obtenu congé aujourd'hui. Est-ce que vous comptez faire d'autres miracles? Oui! Moi, quand il y a une pièce à faire, je suis prêt à faire n'importe quoi. Oui! Avez-vous des projets? Oui! Toutes sortes d'affaires, hein? Il y a Busch Garden puis Disneyland qui m'ont offert de reprendre mes imitations d'Elvis. Il y a question aussi de Las Vegas. Puis il y a le CIO qui veut que je chante à l'ouverture des prochains Jeux olympiques. Hey! Yeah. Dusku si watashita kunugu yobe wa unemasu ka? Hey!
Yeah. Hi. Yeah. Est-ce que vous comptez visiter notre beau pays? Hi. Yeah. Bah, peut-être bien parce que il y a Sony qui m'a offert d'enregistrer un record avec Céline Dion puis Paparazzi. Oh, puis il y a aussi une université japonaise qui veut me donner un docteur, là. Un docteur... Un doctorat honoris causa? Ben, moi, je parle pas japonais. Hein. Là, si vous avez d'autres questions, vous demanderez à mon beau-frère, Méo. Hey! 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 Oh, Monsieur Gaton. Non, non. Gratton, mon nom. Gratton. Ah, mais c'est ce que je dis. Gaton. Qu'est-ce que vous comptez faire là, tout de suite? Ouais, moi d'abord prendre des vacances, là, à mon camp dans le Nord, mais à la pêche à la barbotte. Qu'est-ce que c'est, la babotte? Non, pas la babotte. La barbotte. La babotte. Non, la barbotte, tabarnak. Babotte, tabarnak? Non, pas la babotte, la barbotte. C'est comme l'arbitre. C'est comme l'arbitre. Pas la bite. L'arbitre, tabarnak. L'arbitre, tabarnak. Bon, là, on va laisser faire. On va aller faire des mirons. Mais au long, je les Chinois, là, viens là. Paul Desmarais au Canada D. Alors, pas matin. Blue Hawaii. Hey, mais oh! Je savais pas que tu parlais japonais, moi. Ouais, j'ai. Comment ça, toi non plus? Ah oui, mais je t'ai vu parler japonais hier avec le gars, là. Ben oui, avec le chinois hier! Non, le chinois! Ben oui, t'as parlé 10 minutes avec un Chinois hier! Monstre! Le Chinois! Laisse faire! T'as bien raison, Méo. Le Grand Prix d'Espagne. C'est bien meilleur. Bon. Hey, wow, wow! Esti, vas-tu te calmer? Hey, Esti, vas-tu arrêter de bouger les nerfs? Ah! Tiens! Oh, Esti, toi. Ouais, ouais, tu feras pas ça à Bob Gratton de tabarnak. OK, Esti. Tiens, mais oh, Esti! Hein? Il rira pas de moi deux fois! Hey, mais oh! Hey, te rends-tu compte? Ils veulent me donner la médaille de l'Ordre du Canada. À moi, Bob Gratton. Comme à Jean-Louis Roux puis à Baby Papillon. Hey, la tour plus de 400 livres, là. T'es sûr qu'elle a jamais eu, toi? En tout cas, Landry, lui, il l'a eu. Qui? Landry, le youpi de la presse, là. Oui, c'est pas de danger à avoir une médaille. Avec la Légion d'honneur puis les médailles des Lions, m'avoir l'air d'un général russe. M'en avoir jusqu'aux genoux. Pas mauvais. Hey,
tu as après collé l'orignal, toi? Hey, c'est rien qu'une joke, tu prends pas ça de main. Hey, quand tu te choques, toi, ça fait comme un squelette qui était presque crossé sur une couverture d'auto. Hey, Léo, regarde-moi ça. Pour la chasse au canard. J'ai acheté ça à Plattsburgh. Conseille-toi donc si t'es si fin. Il se prend comme ça. Ouais. Ouais. Ça doit être des canons japonais, c'est. Ben, mais moi, je n'ai assez pour aujourd'hui. Ah oui, oui. Ça va être mieux pour la chasse au canard, aussi. On va être juste plus bas sur l'eau. Tu m'as revu, toi, si tu viens où? Ah ouais, non, j'ai pas vu dans le chien. Fais-le, oui. Fais-le, c'est là. Ouais, tu peux y aller, hein? Je voulais peut-être me faire. Je... Machine.
Well, well, well. The one and only Mr. Elvis Grattan. I'm Colonel Donald Bill Clinton. Oh, like Bill Clinton? Donald Bill Clinton. But you can call me D-Bill. Okay, D-Bill. Tu peux m'appeler Bob, D-Bill. Bob, je suis un agent. Et je gère les carrières pour beaucoup de vedettes à Hollywood. Et j'aimerais vous parler. Pas de problème, hein? No problem. Et vous êtes Mio. Not Mio. Mayo. Oh, excusez-moi, Monsieur Mayo. Laissez-moi vous introduire dans mon assistante, Grace. Alors, ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Oh, ouais. You have a nice car. Vous pouvez avoir la même automobile si vous voulez, Bob. Good joke. It's no joke. Je peux vous acheter une comme ça demain. Quelle couleur? Mmm. It's real good. Qu'est-ce que c'est? Beau de chinois. Hein? Beau de chinoise. Chinese party. Chinese. Pâté chinois. Pâté chinois. Non, non. Pas pâté chinois. Pâté chinois. Du pâté chinois. Pâté chinois. Non, non. Pas du pâté. Le pâté, c'est pour mettre ses chars. Pâté. Pâté chinois. Ouais, c'est ça. You want to organize a big tournée in the States? No way. All around the world. The world? As-tu compris ça, Méo? Une tournée autour du monde. And you want me to sing Elvis Presley? No. Forget about Elvis Presley. That's passé. Imitating Elvis, c'est fini. You gotta think big. Think big? Hey, ça, c'est vrai. Think big. Il faut penser gros, hein? Ils l'ont tué l'affaire, les Américains, hein? Ah, mais moi, il faut dire que j'ai toujours pensé pas mal gros. Think big. You're already famous all over the world. Plus fameux qu'Elvis Presley. Forget about him. You're already a star. But I can make you a superstar. J'ai des contacts tout partout dans le monde. We're gonna make lots of money, Bob. We're gonna make a mountain of money. I'm talking a shitload of money. Hey, man, what? That's complicated, toi. Une montagne d'argent. A shitload of money. Bob Gratton, superstar. Hey, là, des records, on va en vendre en tabarnak. Oui, on va faire la pièce. Le bacon. Le mouton. La palette. La grosse palette. Puis moi, l'avoir, ma limousine. It's all yours, Bob. Too sweet. Just sign here. And that there Patty Chinois, we're going to sell that all over the world, too. All over the fucking world. Hey, elle est belle en tabarnak. And it's all yours, Bob. Moi, for me. Oh, oui. Thank you very much. Thank you. Merci. Hey, Bob, you're a star. Monsieur Gratton, on y va. Vous avez un moteur 440 pouces cubes avec arbre-cam en tête, 12 cylindres, injection électronique. Vous avez les freins ABS, power steering, power brake, power finance. Et ça, c'est full equip, monsieur. Vous avez les vitres électriques, les sièges électriques, les miroirs électriques, la lanterne électrique, la valise électrique, le cap à gaz électrique, le détecteur de fumée électrique, le lighter électrique, le compartiment à gants électrique, le cendrier électrique, la ceinture électrique et le faux foyer électrique. Je vais attendre, je suis là, on peut y voir.
Y a-tu le bloc heater électrique avec ça? Quand je dis full equip, monsieur, c'est full equip. Ouais. Vous avez l'air conditionné. Vous avez le cruise control, l'ordinateur de bord, l'aspirateur mural, la thermopompe, les câbles de roue en broche, le CD dans valise et la radio stéréo AM/FM 150 watts. Hey, 150 watts, ça doit cracher en tabarnak, ça. comme vous dites, oui. Vous avez les sièges en cuir, le bar, vous avez les petits bancs qui rouvrent, la télévision couleur, le câble, les vitres. Antiballes, bien sûr. Vous avez les toilettes à l'eau chaude, le four micro-ondes, le téléphone cellulaire, l'Internet et les jeux vidéo. And when he says fully equipped, Bob, we're talking fully equipped. Hi, guys. Pour être full équipe, être full équipe. Monsieur Graton. Monsieur Graton. La touche finale. Bonjour, Monsieur Graton. Comment allez-vous ce matin? Wow! Et en plus, vos initiales en or massif sur le steering. Ah ouais, mais où embarque? M'a donné une ride. Think big! D'attacher votre ceinture de sécurité. Merci. Une porte est mal fermée. Merci. Hey, mais oh, c'est au bout, hein? Un char qui parle. Tous les systèmes contrôlés fonctionnent. Le niveau de lave-glace est bas. Une porte est mal fermée. Je sais qu'elle est mal fermée, Chris. C'est moi qui l'ai rouvert. Hey, je recule, mais où est-ce que tu connais, arrière? Non, pas besoin. Vous n'avez rien. Oh, yes! Une porte est mal fermée. Pas mal fermée, tabarnak est arraché. Une porte est mal fermée. Arrête donc de m'écœurer avec ça, c'est toujours sale. Vous êtes prié de rester poli. Femme dans ta gueule. Gros cave. Quoi? Répète-moi non ça pour voir, toi. Gros cave. Gros Chris de Mongol. Oh ben tabarnak! Gros sans dessin. Gros domé. Ah! Gros Chris de tas de marde. Tu gagneras pas sous moi, toi. Va donc chier. Et à part de ça... Oh, tu t'as fermé, tabarnak! Mange donc un esti de chaud de marde, grosse charogne. Ah ouais! T'es lette comme mon cul, mon gars! Va donc te crosser avec une poignée de brasquettes. Ah ouais! Ouh!
Broadway. Come on in, boys. And I hope everything, and I mean everything, was to your complete satisfaction. That's good. T'as du goût, mon débile? Pas débile, Bob. D-bill. D-bill. OK, débile. En tout cas, c'est bien swell, ton bureau. Well, thank you, Bob. I just had it redone in the neo-transcultural postmodern style. Ben, moi, en tout cas, je trouve ça fait un peu fif, là. Ben, c'est swell pareil. Pull up a chair, boys. Cigar, Bob? No, thanks. A meal. Bob, answer me this. What's the difference between a toaster and the President of the United States? Ah, non, pas encore les concours, les tâches, puis Disneyland. Hey, moi, là, je n'ai plein de cul. C'est la même chose. Si vous vendez des idées, ou des toasters, des ordinateurs, le pâté chinois, ou des politiciens. Moi, qu'est-ce que je viens faire entre le pâté chinois puis les toasters? Listen to me, Bob. Some sucker qui s'achète un automobile, c'est pas l'automobile qui s'achète. C'est la fille sexy qui va avec. La bonne femme qui s'achète un parfum, c'est pas le parfum qu'elle s'achète, c'est l'amour. Ce qu'elle veut, c'est le Beach Boy bronzé dans la publicité. Hey, ils l'ont-tu l'affaire, les Américains? Et en politique, c'est la même chose. Savez-vous pourquoi le peuple américain a voté pour Clinton? Ben, pour ses idées. Quelle idée! Le peuple américain ne vote pas pour un président. Il s'achète une image de jeunesse. On a montré jouer le saxophone et tout le monde l'adorait. D'autres exemples. John Charest. Hey, le king du Parti libéral. Ça, c'est mon homme. Parce qu'il pense comme moi. Il est pareil comme moi, en blond. Oui. Charest, avec son double menton, un peu de liposuction, et voilà. Il est plus vide que jamais, mais il a l'air jeune. Apparemment, le monde l'aime comme ça. Ouais, c'est vrai, ça. Y a-t-il quelque chose à faire avec la gueule à Chrétien? Rien du tout. Rien du tout. Complètement hopeless. They organized a big show, a gros conférence de presse avec l'armée dans la Bosnie. The asshole fucked it all up. He put his helmet on ass backwards. Hey, c'est vrai, regarde, il a mis son casque à l'envers. N'oublie jamais ça, Bob. L'image. L'image. Si tu contrôles l'image, tu contrôles le monde. Ah oui, mais pourquoi tu veux changer mon image? Incorrect, mon image? Hey, là, t'es pas pour me sucer le gras comme agent Charette, moi. Just trust me. On doit changer ton image un peu pour refléter la marché d'aujourd'hui. Ton anglais, par exemple. Comment ça? Je suis parfait bilingue, moi. Je parle le francophone couramment, puis mon anglais, là, je l'ai appris par oreille avec Méo. Oui, Méo, pas-y en anglais. Ben, je sais pas ce qu'il a dit, mais ça sonne bien en tabarnak, hein? Il a l'air, en tout cas. Ben, moi aussi, regarde. Wanting gonna go to me. Well, all the night I can. Why not be? Wait till the silent land is on for your moron. That was just beautiful, Bob.
brings a tear to my eye. Tellement, tot, elle t'est deep, deep, through the bathtub into the butt. Which lesson is this we're having? First, second, or third? The third. 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 Repeat after me again. Okay. Thelma thought a healthy thief threw the bathtub into the booth. Thelma thought. Thought. That thought. 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 A healthy thief. A healthy thief. 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 Through. Through. Through the bathtub. Tub. Tub. Bathtub. Tub. Okay. Tub. Okay. Tub. 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 Into the booth. Booth. The booth. The booth. The booth. 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 Tub. Booth. Booth. Bath, bathtub, bathtub into the booth. The booth. The path. Into the booth. 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 Mais ça pique, ça fait ça vite. Élastique, c'est marrant. Regarde mon paquet, là. Ce que j'ai là, là. Ça marche pas, ça. B, T, yeah. B. Tu me vois une main comme ça, moi, quand je suis là, je suis là. C'est quoi cette affaire-là et celle-là, là? Tout le monde met ça. Beer. Yeah. Hey, là, là, ça, là. Tu me bois-tu la face avec ça, t'es? Hey. Tiens, ça, ça marche pas, ça. Marguerite Duron. Duron? Oui, yeah. 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 Ça tient, hein? C'est commode, ça. Va. Va. The here. Thelma thought a LD thief threw the bathtub into the booth. 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 Yeah, thing big. Third. A third. Good, Bob. Thanks, David. Bob, le début ne marche pas. Il faut trouver quelque chose d'autre. Ben oui, mais écoute-moi bien. Il y a assez de cochonneries sur la scène, là. Avec la fumée, moi, là, je vois rien. Puis ça, là, c'est quoi, ça? Product placement, Bob. Placement de produit. It's everywhere. Film, television, music. They pay us the money and we show their product. Combien est-ce qu'ils payent pour mettre ça là, eux autres? Half a million. 500 000 tomates. Peux-tu en avoir chez nous?
No problem, Bob. No problemo. Okay, from the top. Hey, mais oh, lâche les femmes puis travaille un peu. Le papier de toilette, là, il est dans mon chemin quand je rentre. Avec la fumée, je vois absolument rien. Tousse-les un peu. Come on, let's go. Les grosses compagnies vont grimper l'un sur l'autre d'acheter de l'espace. Ça va se vendre comme des hot cakes. Cette partie ici en avant, ça coûte 50 000 $ pour chaque pouce carré. US? Damn straight. C'est pas l'argent de Monopoly, Bob. Ici sur le bras, c'est 40 000 le pouce carré. Les jambes, 30 000. Hey. C'est quoi ça ici en bas, là? Anocaine? Hey! Du stuff pour les hémorroïdes. T'aurais pu laisser faire. Hey, listen, Bob. 25,000 smackers pour chaque pouce carré pendant 10 ans. Your choice. 25 000 tomates. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Méo? Comment ça, m'avoir l'air d'un homme sandwich? La circulaire pour Vigo. Mais l'or! Qu'est-ce que tu fais de l'or? J'suis un artiste, moi. Bob, you're gonna look just like Jack Villeneuve or Shoemaker. Hey, c'est vrai, ça. Pareil comme Jean Villeneuve. Moi aussi, ma ouais, ma face, c'est caisse de vieille. Puis au prouve ce qui me paye, là, j'serais même prêt à me faire tatouer. Elvis Gratton, the king of sex! Une porte est mal fermée. Je le sais, Calis, c'est moi qui l'ai rouvert. Ah, c'est une patente à gosse. Bouclez votre ceinture de sécurité. Et bouclez, pas bouclez, t'as pas de pour ça. Un bout de char de cul d'enfant de chien. Qu'est-ce que t'as dit là? Ai-je bien oui? Répète donc ça, voir. Mot de char de cul d'enfant de chien de bâtard. Ouch. Ben bon. Gros cave. Attends, t'as l'heure, toi, tu vas l'écouter. Oui, mais aide-moi. Ah oui, c'est bon. Le piton, là. C'est tire. Ouch! Ouch! C'est toi de ta tête, si tu fais quelque chose. Laisse faire. M'en glisser par en dessous. Ah ouais. Aide-moi, fais quelque chose, fais le tour. Vite! Une porte est mal fermée. Merci. La pression d'huile est basse. Ah non, chier! Pousse, pousse. Ouais. Ça, c'est intelligent, tabarnak. Un col roulé pour l'hiver. Pastique, t'es niaiseux. Touche de nec, touche-toi. Arrangez tout seul, l'esti. Voilà, ouais, c'est. Le niveau de lave-glace est bas. Crisse-moi patience avec ton niveau d'eau, toi. Vous êtes prié oh, oh, de rester poli. Moi, là. Oui, oh, tiens, mais oh. Tiens, tiens. Ah! 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 Mais oh! Le piton pour le siège. Ah, le piton dans la porte. Le levier de dégagement du siège avant est coincé. Ah! Il n'y a pas rien. Ah! D'autres, mais oh! Non! Mais oh! Oh, appelle les pompiers. Va chercher nos preneurs, mais fais quelque chose. Garantie de 6 mois, moi, taper le cigare, moi. Monsieur. Merci bien.
Hein? T'as de la classe, toi. C'est aujourd'hui que se termine la tournée de Team Canada en Chine. Le premier ministre a annoncé la signature d'une entente de 10 ans pour la distribution des films québécois avec le président Li Wang. Vous venez de signer une entente... Li Wang, c'est un chinois. Mais ça, c'est le bout. C'est extrêmement proud d'avoir mis ma signature avec le gouvernement chinois sur ce traité de réciprocité, de récompris, de réciprocité, de réciprocité. Alors, le cinéma canadien, québécois, d'expression francophone d'un autre et un autre, eh bien, sera, je pense, voulez-vous le fer de lance vaisseau admiral? Ça, la business, je veux dire que la culture, on va avoir la veille qui me laque. Dis-moi, Agathe, quelle a été la réaction? Il est pas assez épicé son spaghette. Mais vous avez vu? Ouais. Melinda, elle. Elle mettait de la Campbell. C'est plus fin. C'est des foleries, ça. Les Chinois, là, ils ont rien qu'à apprendre l'anglais. Je l'ai appris, moi, mon anglais. Je gagne bien ma vie. Ah, non. En terminant, c'est cette semaine que le célèbre chanteur rock Elvis Graton s'envolera pour Las Vegas, premier arrêt de sa tournée mondiale. Think big. On sait que le Elvis Graton Around the World Show s'arrêtera par la suite à Los Angeles, Tokyo, Rio de Janeiro, Paris, Londres, Berlin et New York. En tout, 78 villes autour du monde au cours des prochains mois. Véritable contre pour le petit gars de Brossard. Hello. Ladies and gentlemen, for the first time in Las Vegas, the king of the rock and roll, Mr. Music himself, Mr. Dynamite, Mr. 10,000 Volts, the prince of love and romance, and Mr. Elvis Graton! Do you wanna?
Looky here, Bob. You're making headlines. This stuff's worth millions. The Las Vegas Star, bigger than Elvis. The Los Angeles Herald, Grattan superstar. L'Osservatore Romano, the Nouveau Soir News at Night. Good, good, good. Le Monde, Tabernacle, the Tabernacle Set au Bout. The Wall Street Journal, Elvis Grattan, a natural resource. He's solid gold. Yeah. The Vancouver Guardian, majestueux comme des rocheuses. Rock. La Presse, un très, très grand Canadien. Hey, that's goddamn fucking good, hey. Hey, Mayo, écoute ça. Le grand timonier du rock soulève le peuple de Pékin. Le New Daily Post, le petit Bouddha de Brossard. Hey, ça se peut-tu? Au Caire, un spectacle pharaonesque. Elvis est grand. Dans la Pravda, un nouveau tsar de la musique. Le Globe and Mail, plus fort que la gendarmerie. Non, non, la gendarmerie royale du Canada. Whoa! What the... Hey! Bob! Mayo! Mayo, viens me chercher! What the fuck is he doing? Mayo! May break, Mayo! Let's win! Hey! Close the goal! Mayo! Ah! Attention, je pense qu'il s'en vient. Monsieur Grattan? Oui, madame. Monsieur Grattan, après cette tournée triomphale à travers le monde, quel effet ça fait de remettre les pieds chez vous? C'est fret pour les pieds en tabarnak. Quels sont les pays que vous avez préférés? Définitivement, moi, c'est l'Hawaï puis l'Hong Kong. Et ceux que vous avez détestés? Ouais, la Russie, c'est... On comprend rien dans ce pays-là. Ils écrivent en envers. Par rapport à ça, j'ai pris un coup là, avec leur président, là, Maurice, là, qui s'appelle... Boris Eltsine. Ben, en tout cas, moi, je l'ai toujours appelé Maurice. Hey, on a bu de la vodka ensemble. Puis il m'a fait manger des petits pickles, là. J'étais malade comme un chien. Monsieur Grattan, qu'est-ce que vous pensez du sida? Ouais, on est plein de cul. Vraiment? Hey, je suis assez écœuré d'entendre parler de ça, là. Y a-t-il d'autres questions, là? Monsieur Grattan, que pensez-vous des propos tenus par Mordecai Richler? C'est-tu un nom? Ben non, c'est une maladie. Non, c'est un stand-up comique de Montréal. Une espèce de Bill Graton qui veut faire carrière en anglais. Il me fait pas peur. Je suis meilleur que lui. Yeah! Monsieur Graton, pour vous, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est exactement ça. Le bonheur, c'est d'être heureux. Croyez-vous que l'Internet soit une solution au problème du tiers-monde? Écoutez-moi bien, là, si vous voulez que je réponde à vos questions, là, posez-moi-en donc que je comprenne. Monsieur Gâton, est-ce que vous comptez retourner à la... Hey, on va pas recommencer avec la babotte puis la bite. Que pensez-vous de l'idée du premier ministre Jean Chrétien de faire de Love Me Tender la nouvelle hymne nationale pour promouvoir l'unité canadienne? Hey, ça, là, ça va être un hit. Puis on va en vendre en tabarnak. Yeah. Les privatisations, Monsieur Grattan, que pensez-vous de cette vague sans précédent de privatisations? Ah, ben ça, je suis pour en esti, par exemple. Faut que le gouvernement se soit rené comme une business. Ouais. Tout ce qui rapporte pas, là, faut farmer ça. Hein, okay? Les foyers de vieux, par exemple. Qu'est-ce que ça rapporte, ça? Ça rapporte rien. Faut se débarrasser de ça. Les écoles, ça rapporte pas 5 cents. Il faut farmer ça. Tous les malades, les handicapés, les fous, les mongols, ça coûte une fortune, ça rapporte rien. Faut se débarrasser de ça. Il faut arrêter de vivre au-dessus de nos moyens. Puis tout le reste, il faut privatiser. Les prisons, les hôpitaux, les ponts, les routes, l'électricité, l'eau, l'alcool, même l'air. Faudrait privatiser ça, puis charger. Tu respires tant, bien tu payes tant. Celui qui respire plus, bien qui paye plus. C'est ça la justice. Justice égale privatisation. Puis les gouvernements, il faut qu'ils subventionnent les privatisations. Parce que moi, là, sans subvention, je déménage. Monsieur Gâteau! Monsieur Gâteau! C'est un miracle! Pas de panique, tabarnak! Pas de panique! Bravo!
acheté pour une bouchée de pain. Le casino avec. Tout est à vendre. J'ai même acheté un collège de filles avec ça. Je voulais avoir l'oratoire puis l'aqueduc, mais c'est Power Corporation qui a tout ramassé. Avec une subvention du gouvernement en plus. C'est-tu démarrais. Bon, j'ai pensé à ça après mon show à Disneyland. Wow! Park Amusement, Elvis Gratton. What a great idea! Non, non. T'as pas compris. Moi, c'est un domaine privé que je veux. Comme Elvis à Graceland. Moi, je vais pas voir un asti de crotté ici. Qui reste dans l'Est, les crottés. C'est chez nous, ici, c'est à moi. Je vais rester ici. Je vais avoir un zoo comme Michael Jackson. Mais moi, c'est pas pour les petits gars. Anyway, this will be perfect in the film. Quel film? I thought it'd be a good idea to make a film about your life. Un film sur ma vie? J'ai même recruté le fameux réalisateur français, Roland Culin. On va faire la pause. Bob Gratton, ce rocker venu des steppes canadiennes, est un homme que la nature sauvage de son pays a façonné. Chaque week-end, il retrouve sa cabane au Canada et ses racines de pionnier. Comme ses ancêtres, c'est un défoucheur. Tabarnak! Stop! Non, on arrête ça! Ohé, c'est fini, là! C'est magnifique, Bob, mais on va se la reprendre en plan plus serré. Ça va être génial. Là, j'apprends où j'étais, là. Ben oui, oui, c'est ça, oui. Là, je la coupe. Ben oui, c'est ça, tu le tronçonnes, tu nous fais de la pitoune, comme vous dites. Pas de la pitoune! De la pitoune, hostie! Hey, c'est ce que je viens de dire, Calice, de la pitoune. Attention, les enfants, là, il faudra accélérer. Allez, le mouvement, là, tout on va suite, tourner bientôt. Okay. Scène 2, 108e. Action! Lénaï, tabarnak! Coup de sacrement. Coupez. C'est que tu penses que j'essaie de faire, bout de Chris? Coupé, coupé, c'est coupé, Bob! Coupé, coupé, tu vois bien qu'elle est pas coupée, ce petit sans dessin. Coupé, j'ai dit coupé pour la caméra, merde. Coupé pour la caméra, pour qui tu penses que j'essaie de la couper? Calice! Mais coupé, c'est ça, bordel! Wow, wow! J'ai un esti français qui va me montrer à couper du bois, mais calice! Tap! Esti français, calice! Action! Vas-y, Bob, fais voir ce que t'as dans le vent! Vas-y! Allez! Envoyez la purée! C'est dans les vastes régions désertiques du Grand Nord canadien, dans les steppes envahies par la neige et le froid, que le rocker au cœur d'or va se ressourcer et chercher l'inspiration. Oh, le con. Oh, c'est incroyable de voir un connard pareil, quoi. Thank you.
Graton. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ça, la piscine, on l'a mis dessus au milieu du mini-golf, là. Mais non, attends, le mini-golf, c'est au deuxième. Oh, darling! Mais ça fait ton gros loup! Oui, je m'en viens! God bless! Thank you very much! Yeah! Come on! Yeah! Yeah! Oh, yeah! You, yeah, baby! Hey, darling. Oh. Ils ont livré ça cet après-midi. Ah, mais occupe-toi pas de ça. Ça, là, c'est du placement de produits. Il y en a partout à cette heure, dans les films, à la TV, ça a rue. Hey, il faut préparer notre bain, hein? J'arrive tout de suite. J'ai pas mon saucisse, là. Yeah! God bless! Eat big! Taste! Yeah! Dès maintenant, grâce à des subventions généreuses du gouvernement canadien, Grattan Records, comme Grattan Foods, sera une simple division de Grattan International Corporation. Ah! Ça sonne bien, ça. Grattan International. J'aime ça. J'aimerais aussi vous présenter notre premier vice-président, Mr. Samuel Goldenschitz. C'est Sam qui avait implanté Euro Disney en France. Il faut être un maître sorcier de convaincre un gouvernement socialiste d'investir des millions pour aider Disney à vendre Donald Duck et Mickey Mouse. What's your secret, Sam? Qu'est-ce que Money? Money, hein? Il est parfait, lui. Signor Augusto Benito Lanusi Franco sera président de Grattan Products. Le général Lanus a été éduqué à l'Académie de West Point et aussi à l'École militaire Las Américas, à Panama. Il a été le ministre de l'Intérieur en Chili, sous Pinochet. Le général Lanus va sans doute imposer nos produits à travers le monde. Ah, Monsieur Jerry Gagliano est notre consigliere juridique. Il a défendu avec succès les intérêts de la multinationale Hells Angels Corporation avant d'accéder à la magistrature. Il a aussi travaillé avec Pierre Elliott Trudeau chez Heenan Blakey. En tout cas, on est en bonne main. Madame Elizabeth de la Cour Neuve, l'ancienne présidente de la Front Nationale de Jean-Marie Le Pen, sera en charge des opérations européennes. Grattan Middle East sera sous la direction de M. Mohamed Greish, fondateur de SCAF Publicity. Bon, ben, on est pas pour toutes les nommer parce qu'on va être encore ici demain matin. Hein? Ben, nous autres, là, ce qui nous intéresse, là, c'est les bebelles qu'on vend. Puis là, j'aimerais ça vous montrer nos dernières idées. Hein? Ah ouais, vas-y, mon méo. OK. Allô, c'est Aline. Je suis au lit, je pense à toi, mon amour. Quoi? Rappelle-moi, Simonette! C'est mon cas, je te mords, je te griffe, je te déchire. Hey, pis ça, on va en vendre en tabarnak. On l'a tué l'affaire, hein? Mais là, on a une autre idée. La moutarde Bob Graton. Like Paul Newman's spaghetti sauce. Ben, Paul Newman, il y a rien là, hein? Parce que nous autres, on a un cadeau en prime dans chaque. La capote Elvis Graton. Gratis. Ça, c'est du placement de produits. Think big! Yeah. Bob, on vous a vu récemment au cinéma dans La vie de Jésus de Martin Scorsese où vous tenez le rôle-titre. Ouais, avec Pamela Anderson qui fait Sainte-Vierge puis Sylvester Stallone qui fait Saint-Joseph.
Ensuite, vous avez fait le remake de Ben-Hur. Vous avez tourné dans un film de kung-fu, Un samouraï à Bagdad. Puis là, vous venez de terminer un western spaghetti expérimental. Ouais, en français, ça s'appelle Pour une poignée de braquettes. Mais présentement, vous jouez dans un film de Walt Disney, King Kong contre le King des Kings. Hein? Justement, je vous dis, je t'ai apporté l'affiche. Parce que là, ça sort partout dans le monde la semaine prochaine. Le maquillage est hallucinant. Hein? C'est vraiment vous, hein? C'est... Ah non. C'est pas moi qui fais King Kong, hein? Moi, je me bats contre. OK. Et puis là, on a organisé aussi récemment une rétrospective de vos toiles, hein, au Museum of Modern Art de New York, Abstraction 2000. Parlez-nous là, de votre peinture. Là. C'est de l'abstrait que vous faites. Oui, c'est pas mal abstrait. C'est tellement abstrait que j'ai de la misère à en parler. C'est des expériences de ma vie que j'ai garochées sur la toile. C'est des taches, des grosses taches, des taches. C'est tout? Oui, c'est pas mal abstrait. Bon, là, on nous a dit que vous étiez en train d'écrire un livre. Oui. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça va s'appeler « Ma vie, my life ». Moi, j'écris directement bilingue, hein, pour sauver du temps. Vous écrivez bilingue? Moi, là, je suis fluent dans les deux langues. Je parle bilingue parfaitement, sans accent. C'est vrai que dans le monde où on vit, il faut accepter le métissage, c'est vrai. C'est bon pour le business, ça, le métissage. Tout le monde pareil. Comme ça, tu peux vendre les mêmes bebelles partout dans le monde. Bon, cinéma, peinture, restauration, publicité, littérature, théâtre... Hey, j'ai décidé d'organiser une game d'hockey contre le Beaver Club pour ramasser de l'argent pour la Fondation Elvis Gratton. Ça, là, la Fondation Elvis Gratton, c'est pour ramasser de l'argent pour soulager la misère dans le monde. C'est merveilleux, ça. Oui, là, la misère, ça me touche profondément. C'est merveilleux. C'est vrai que c'est merveilleux, Julie. À part de ça, on va avoir un tabarnak de bon club. Hey! Tu vas avoir mes Teresa puis Papa Rotti à défense. Ben, eux autres, pour pas faire autrement, ils patinent sa bottine. Puis en avant, tu vas avoir Michael Jackson au centre. Elizabeth Taylor à gauche. Hey, ça, c'est une grosse. Hey, elle va chercher ça, la rondelle d'un coin, hein? Puis à droite, Stéphane Dion. Ça, c'est un naturel à droite, hein? Il saute tout, t'es un petit Chris, ça. Il est vite, vite comme un rat. Puis vous, vous êtes l'instructeur, Bob? Ah non. Moi, je goal. Hey, un gardien de but philanthrope. Bob, vous nous aviez caché ça? Mais nous autres, ça, on vous a caché quelque chose, par exemple. Oui. Oh. Non, hey, là, c'est trop, là. Non. Mais, merci. On a une petite surprise pour vous. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement la mère de notre génie national, Madame Greta Gratton. Mon gros tabarnak, va te parler dans le casque, mon gros. Nous ferons ta TV. C'est qu'elle a un gros stop. Voyons faire, va du hockey. Singe. Attention à tous, le lancement du film de Walt Disney, King Kong contre le King des Kings, nos Bubbler à Cazoulette et nos Super Bob à Pétillette sont présentement à moitié prix, alors c'est le temps d'en profiter. Bonjour. Excuse, peux-tu vous déranger, vous demandez vos noms? Rand Tremblay de bœuf. Toi? Pamela Haché Tremblay. Hey, puis le petit, là. Billy Steve le bœuf Haché Tremblay. En blonde voulait que le petit porte les deux noms. Hey, je peux-tu vous demander ce qui vous amène cet après-midi? Ben, c'est parce que c'est à moitié prix, hein? Puis on voulait pas manquer la chance de vous voir en personne. Vous êtes mon héros. Comment ça? On vous aime parce que vous avez pas peur de dire ce que vous pensez. Puis on aime comment vous pensez. Hein? Vous voyez grand. Puis ça nous donne de l'espoir, nous autres, les jeunes. Oui. Ben, pareil comme mon chum, hein? Puis à part de ça, vous êtes tellement beau. Je peux-tu vous embrasser? Oh, et donc. Yeah! Hey, deux autres Super Bob et une grosse roue de bière pour le petit. Je mettrai ça sur mon bras. Oh, ben merci. Yeah! Venez, madame. Hey, votre liqueur. Ah, que je vous aime, vous. Peux-tu vous serrer la main? Vous êtes un personnage tellement coloré. Ouais, vous allez me faire rougir, vous, là. Je vais prendre deux Big Bob. En dresse? Ouais, mais pas d'ananas. Sirop d'érable, sauce piquante? Sirop. À part de ça, deux Super Bob. En dresse? Ouais, mais pas de beurre de clignotant, hein. Être allergique. Sirop, sauce piquante? Sirop.
Donnez-moi 4 frites, 2 roues de billes, 2 orangères. Si moyen grand. Ils sont grandes comment, vos liqueurs? Petit, moyen, grand. Bon, donnez-moi des grands. 2 Big Bob en dress, pas de beurre de pinot, sirop d'érable. 2 Super Bob en dress, pas d'ananas, sirop d'érable. 4 frites, 2 grosses orangères, 2 grosses roues de bière. Peux-tu répéter, s'il vous plaît? 2 grosses orangères, 2 grosses roues de bière. Hey, je comprends rien. Peux-tu répéter? On dirait que ça vient de la lune. 2 grosses orangères, 2 grosses roues de bière. Maudite patente, ta gosse. Peux-tu répéter? Je comprends rien. 2 grosses orangeades, 2 grosses roues de bière. Bon. Et t'en cours jamais. Hey. Oh, t'as tout petit patin. Mais oh! Là-bas, mais oh! Hey, mais... Ce temps d'antenne est mis gratuitement à la disposition des partis politiques fédéraux. Vous entendrez ce soir, au nom du Parti libéral du Canada, M. Robert Gratton, président du Comité des intellectuels, pour le non. Mesdames, messieurs, bonsoir. Comme vous le savez tous, notre pays vit des heures graves. Les séparatistes veulent détruire le Canada. Ils veulent nous enlever nos montagnes rocheuses. À vous, à moi, aux gérants de caisses populaires, à nos enfants. Pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent tant contre mes montagnes rocheuses? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait, mes montagnes rocheuses? Pourquoi est-ce qu'ils en veulent tant à mes montagnes rocheuses? Moi, je suis fier d'être Canadien, monsieur. Comme je suis fier d'être Québécois. Je suis un Canadien Québécois. Les deux. Un Québécois Canadien français francophone. Oui, madame. Un Québécois francophone français du Canada. Je suis un francophone d'un océan à l'autre. Coupez! Voyons, qu'est-ce qu'il y a? C'était très bien. On va juste couper un peu dans la dernière phrase parce que ça fait un peu mêlé. Tu trouves, hein? Inquiétez-vous pas, au montage, ça va être clair, ça va faire plus sérieux. Bon, on va reprendre ici, puis vous rajouterez ici le mot sécession. Ah, que, comme la guerre de sécession aux États-Unis. Hein? C'est ça, ça dramatise. La guerre civile, ça accentue l'idée de la peur. Ça fait plus... Épeurant. Oui. Comment ça s'écrit, ça, là? S-C-C-E-S-S-I-O-N. Hey, wow, wow, les nerfs, là! Pas de machine, moi, là. S-E-C-E-S-S-I-O-N. Rien, là, aussi. Tout le monde en place. Silence, moteur, ça tourne. Action. Je suis un Québécois canadien. Puis si on s'en va sur le séparatisme, ça va être l'incertitude. Pis ça, l'incertitude, là, c'est effrayant parce que c'est... parce que c'est incertain. Mais comme le dit notre chef, Jean Chrétien, la Constitution, ça n'intéresse personne. P-A-R-S-O-N, personne. Le monde, ce qui les intéresse, c'est le pain pis le beurre. Puis moi, je rajouterais, pis le bélonné. Ben, il n'y en aura plus de bélonné si on s'en va sur le séparatisme. Ça, là, c'est comme la guerre de sécession aux États-Unis. Le Canada, c'est le meilleur pays du monde. Coupé! C'est pas vrai. Ah, c'est ce qui est écrit, là. Non, ça va, c'est très bien. Je voudrais juste un peu plus de conviction pour le plus meilleur pays au monde. Plus d'enthousiasme, plus de... Le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde. Avec plus de fougue. Le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde. C'est le point fort du discours. Peux-tu l'essayer avec comme un éclair dans les yeux? Le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde.
Bon, on va trouver autre chose. Tout le monde en place! Chilon! Ma soeur! Ça tourne! Action! Le Canada, c'est vraiment le pays le plus grand, le plus smart, le plus intelligent. Le Canada, c'est le plus... Coupez! Non, coupez pas, pas de suite. Le Canada, c'est vraiment le plus hostile. Vous pouvez couper à Star. Mm-hmm. In Stockholm. Salut, débile. J'espère qu'on ne te dérange pas trop. Je pense ça dans le bout avec Méo. On s'est dit qu'on va aller tirer à Pipaville. OK, OK. I'll call you back within the hour. Bye now. No problem, boys. How's it going? Fine, Steve, fine. Hey, c'est quoi que tu manges là? Ah, c'est une salade de courgettes et de figues biologiques. Très bon pour la santé et très populaire sur la West Coast. Hey, mange-en pas trop. Tu vas avoir l'air d'un envie de chier comme les smats dans le Saint-Laurent, là. OK, moi aussi. Hey, chose. Ça va être deux spaghettes bien cuits avec de la soupe aux tomates Campbell. Monsieur, je vous sers la soupe tout de suite? Ben non, si tu te sens dessin. La soupe, c'est pour mettre dans le spaghette. Très bien, monsieur. Ouais, oublie pas le pain et le beurre, là. Vous dites? Le beurre, esti. Pardon? Vous connaissez pas ça en France, le beurre? Qu'est-ce que vous mettez sur votre pain, tabarnak? De la marde? Monsieur veut dire du beurre. C'est ce que je dis, du beurre. Tout de suite, monsieur. Hé, hey, c'est tes projets. Oh, ça bouge pas. Ton livre a été traduit dans 87 langues. J'ai signé aujourd'hui pour la version Swahili. Ah, ça, le Swahili, là, c'est ça, c'est comme des petits spaghettis, là. Pas du macaroni, du spaghetti. C'est comme des petits motons spaghettis, là, tout entortillés. Non, colis, du spaghetti! Arrête de m'ostiner avec ça! By the way, Bob, je viens d'apprendre qu'ils vont te donner le prix Nobel de littérature. Hein? Le prix Nobel de littérature? Oui. Oh, ben, tabarnak! La ville de San Francisco veut renommer le Golden Gate Bridge après toi. J'ai une lettre de Washington. Le président t'a demandé d'accepter la présidence des United Nations. Et le pape parle de béatification. And to top it all off, this arrived this morning from the mayor of New York. Hein? Il m'a envoyé une dinde congelée pour Noël. Non, non, Bob, c'est l'aigle américain. It's off the Chrysler building. Oh! C'est un aigle à tête blanche! Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Pouvez-vous ouvrir la porte, je vais rentrer. Articule, tabarnak, je comprends absolument rien. Je veux juste rentrer, je veux pas passer ma journée à parler avec une boîte de tôle, l'esti! Vas-y, parlez, toi, des bilingues, asti. Hey, ça va, qu'est-ce que je fais? Oui, je fais le cas, je gagne le rôle, là. Le cas? La carte, la carte.
J'avais juste à le dire avant, c'est tiens. Une porte est mal fermée. Je sais que la porte est mal fermée, c'est moi qui l'ai ouvert. Well, answer that desire is 8 time available. Ouf, je commence la mort. OK? Ça marche pas, ça. Ah, ici. Ah, il mange la peau. Et encore, il est... Oh, c'est petit. Oh. Ouais, c'est ça. Le poteau. C'est pas très bon. Insérer la carte à fond, mais où, asti? Ah, avec rien qu'elle tire avant. Non. Pas trop tard. Elle peut du tout comme ça. Mais à fond, là, plus à fond que ça, tabarnak. Moi, toute la déviergée, c'est un petit beau être là, moi. Attends un peu, toi. Attends! Ah! Enfin! Je te sors d'esprit. Ah oui, mais pêche-toi, embarque. Ça, ça y est. Tabarnak! Go, this! Mon moineau des States! Le port est mal fermé. Toi, tabarnak, mets-toi pas là-dessus! C'est fini, man. Merci beaucoup. Think big. Monsieur Kraton, c'est un grand honneur pour moi de voir votre auguste personne. Mon dépanneur s'appelle le dépanneur Elvis Kraton. J'ai des photos de vous partout, chez nous au Vietnam. Vous grand héros. C'est quoi ton nom? Nguyen Va Thuc Minh. Comment? Je m'appelle Minh. Nguyen Va Thuc Minh. Ben, je comprends pas. Là. Min, c'est mon nom. Monsieur Min. Oh! Ah, Timine. Elvis Graton. Donne-en un claque, moi, Timine. Yeah! Comment tu t'appelles? Yeah. Asti, toi, tu l'as en asti. Asti, je suis content, asti, ouf! Hey, comment tu t'appelles? Asti. Non, ton nom. Asti. Ça s'appelle Asti, asti. Ah, c'est ton nom de famille, asti? Oui, asti. Ah! Asti. Ah, mon ami. Asti, tu l'as. Oui, asti. Non, pas oui, asti, asti. Asti tout seul, asti. Ah, oh, OK. C'est-tu tout seul, c'est-tu? Oh. S-T-I. Ah, mon ami, c'est-tu? Ah, c'est-tu, je suis content. Elvis Graton, OK? C'est-tu que tu l'as, c'est-tu? J'aime ça jouer avec toi, c'est-tu? Oh, moi aussi, c'est-tu. Yeah! Yeah, c'est-tu fort, c'est-tu? Fort! Hé, mais oh, lui, là, je le comprends parfaitement, c'est-tu. C'est-tu que tu l'as, c'est-tu? Hug. Grato moder, Pig. A mai propun que de halkme,
Ben, dis que moi aussi, j'aime bien gros les Indes. Puis que dans ma prochaine tournée en Amérique du Sud, m'arrêter faire un tour. Brody Elvis Gratton, c'est bon la hair, bien hair. Boubou choukoulia, boubou choukoulia. Boubou chocolat. Là, ont-ils l'affaire, les Indiens? Oh, les autochtones! Autochtones! Yeah, ting big! Non, je le comprends pas. Ah, oh, il parle français. Hey, moi, je pensais qu'il parlait l'allophone. Hey, bonhomme, je suis bien content de t'avoir rencontré. Yeah, ding big. Hey. Oh. Non. Hey. Ah. Shalom, Elvis! Ibrahim! Ding me! Poulain, comment est-ce qu'on finit ça, ce film-là? Ouais. Je sais plus. Moi non plus. Ah, je sais pas. Hein. Gratton, il pourrait mourir. Ben donc, grossé, comme King Kong, Godzilla. Tu sais, c'est un monstre qu'on a créé. Il pourrait se mettre à marcher dans la ville de Montréal, arracher le pont Jacques-Cartier, démolir les... Ouais. Une affaire, ça coûte cher. T'sais, en même temps, c'est pas tout à fait le sens du film. C'est quoi ta phrase déjà, là, c'est la bêtise? La bêtise ne meurt jamais. Bon. Le Gratton, il peut pas mourir. C'est pour ça qu'on l'avait fait ressusciter dans le premier. T'sais, des Elvis Gratton, il y en a mur à mur au Québec dans le monde. T'sais, aussitôt qu'il y en a un qui meurt, il y en a mille qui sont prêts à prendre sa place. Tu sais que Gratton, là, il pourrait se révolter. Il pourra prendre conscience à un moment donné que tout le monde est en train de le fourrer. Oui, mais prendre conscience de quoi? Gratton, c'est un gros dommé. T'sais, pourquoi il serait intelligent, soudain? T'sais, le Saint-Esprit? Oui, mais il y a plein de monde qui fait de l'argent sur son dos. Tu peux pas dire le contraire. Oui, puis il est d'accord. Lui, il cache, puis il devient célèbre. Ah, il est content. OK. Je n'ai une fin pour toi. Va te prendre. C'est un film qui a pas de fin. Pas pire, ça n'a pas de fin, mais faut finir pareil. Moi, ce que je propose, c'est d'envoyer chier le monde, tu sais. On lui paye une crise de traite, tu sais. On lui dit, n'êtes pas tanné de vous faire fourrer, vous faire raconter des peurs par Pierre, Jean puis Jacques. OK, on arrête de rire deux secondes de leur farce plate. Falardeau, tout le film dit ça. Ouais, mais je sais pas, moi, tu sais, peut-être que c'est pas assez clair. En tout cas, moi, là, j'ai pas envie d'envoyer chier tous les spectateurs, OK? Tente pas pantoute. Ça fait 15 ans qu'on cherche la fin de ce film-là. Il pourrait peut-être manger le monde, comme dans Peinture de Goya. Tu
Savais-tu que Goya, quand il a peint ça à la fin de sa vie, était déprimé à l'os? À l'époque, en Espagne, il y avait une répression écœurante. Le roi tapait sur le monde était content, il applaudissait. Pour Goya, là, c'est comme si l'Espagne était en train de dévorer ses propres enfants. T'sais, le roi, il serre à la vis au monde. Le monde, eux autres, ils descendaient dans la rue puis ils criaient « Vive nos chaînes! Vive nos chaînes! » Ça ferait un bon titre, ça, pour notre film. « Vive nos chaînes! » Ça m'irait comme fin, ça, moi. Tu trouves pas ça un peu intellectuel? Ouais. C'est intellectuel, mais c'est ce que je pense. La seule affaire qui m'embête, par exemple, c'est que j'aimerais pas ça finir là-dessus, moi. Tente pas que le monde déprime, pis... Elvis Graton, là, on a fait ça, là, pour faire réfléchir. Mais on a fait ça aussi pour faire rire. J'aimerais ça que le monde, en sortant du film, il rit. Du moins, je le souhaite. J'aimerais ça. T'as arrangé ça, mon poulet. Hey! Vendu. Je t'aide? Non, non. Touche à rien, surtout. Va te taper les doigts, gros singe. Et voilà. 45, plan 1, prise 3. Ah ouais, poulet! Action! Graton, mon nom, Graton! Où c'est qu'ils sont, les gars? Ils doivent être en train de dormir quelque part encore. C'est plus moyen que de se fier à personne. Ah ouais, le cave, paye, paye. Quand t'es pas là pour les surveiller, c'est personne qui travaille. Ah ouais, mais on vient m'aider, on va le faire nous autres mêmes. Dégueulasse, son truc, de la merde. Puis leur pain de cow-boy, le pain western, un truc. Regarde ce con. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, ce mec là, espèce de gros connard.
je branle ici. Je serai à Paris, peinard, tranquillou. Ça me ferait pas chier, là, dans ce pays de merde. Qu'est-ce que je fous, là? Puis Poutine. C'est la même merde, quoi. La même cochonnerie. Là. Ils sont même pas foutus de rouler dans des bagnoles. Ils roulent dans des chars. Tu te rends compte? Oh putain, vivement, je me casse, moi. Hello. Sendo. Madodonna, t'étais en vie? Mais où c'est que t'es, là? Je suis une île dans le Pacifique. Comment ça, sur une île? Je pensais que t'étais sur la planète Mars, moi. Je pensais que t'avais été enlevé par les extraterrestres. Hein? Elvis Presley est en vie? Il est pas mort pour vrai. À part de ça, il pète le feu. Il pèse à peu près 300 livres. Hey, mais fais pas de farce, là. C'est vraiment pas drôle, Linda. C'est pas des farces, c'est sérieux. Il y a Walt Disney avec nous autres, puis Hitler, John F. Kennedy, puis son frère. Kennedy aussi? C'est complètement sauté, ça. Je peux pas te parler plus longtemps, on est surveillé. Je t'embrasse. Linda? On va couper, je pense qu'on va couper. Couper! Couper!